ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam. N'hésitez pas à nous adresser l'ensemble de vos questions que nous recevons et que nous traitons au fur et à mesure, horizon@mta.tv. Vous pouvez également consulter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Vous y retrouverez plein d'articles, toutes les références qu'on y fait y sont également mentionnées et tous les ouvrages dont nous parlons et dont nous allons parler très spécifiquement dans cette émission, ils sont également disponibles et téléchargeables. Concernant la précédente émission, on avait commencé à parler du quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmed, et on avait présenté un peu sa vie avant son califat et après son califat, et on en était arrivé à cette période où il y avait une nécessité d'émigrer en Angleterre en raison des persécutions. Aujourd'hui, on va poursuivre dans cette même présentation biographique du quatrième calife de l'Ahmadiyya. Et pour ce faire, j'ai deux invités avec moi. Tout d'abord, Ataoul Qayyum Jomoun Saheb, assalamu alaikum. Et Abdul Ghani Jahangir Saheb, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alors, je pense que, et je parle sous le contrôle de mes deux invités, peut-être que le mieux serait de diffuser d'abord un petit clip vidéo, puisqu'on va traiter beaucoup plus de la MTA aujourd'hui. Peut-être que le mieux, ce serait de diffuser ce clip MTA, et puis après, on passe à la discussion, en fait, sur le sujet. Donc, on demande le clip. Le 24 mars 1989 était un jour spécial. C'était le premier vendredi après le centenaire de la communauté, et sa sainteté le calife a prononcé son sermon du vendredi. آج جو آپ میرے ساتھ خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہیں خطبہ سن رہے ہیں یا جمعہ پڑھ رہے ہیں آپ کو میں یہ اطلاع خوشکن اطلاع بھی دیتا ہوں کہ اس وقت اس آواز کو موریشس کے احمدی بھی سن رہے ہیں اور جرمنی کے احمدی بھی سن رہے ہیں یہ وہ صدی کا پہلا خطبہ ہے جس کو آسمانی رسل و رسائل کے ذریعے سے جس کو سیٹلائٹ ہک اپ کہتے ہیں سب سے پہلے موریشس کی جماعت نے سننے کا انتظام کیا اور اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ جرمنی کی جماعت نے بھی اس خطبے کو براہ راست سننے کا انتظام کیا ہوا ہے. Ceci a jeté les bases pour une nouvelle forme de communication et le 31 janvier 1992, on a atteint une nouvelle étape dans ce domaine. آج کا دن احمدیت کی تاریخ میں ایک بہت ہی مبارک دن ہے یہ جمعہ جماعت کی دوسری صدی کی تاریخ کے آغاز میں ایک بہت ہی عظیم سنگ میل نصب کر رہا ہے اور جماعت کو جمع ہونے کے ایک نئے دور میں داخل کر رہا ہے بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عاجز غلام اور خلیفۃ المسیح کو یہ توفیق ملی ہے کہ ایسا خطبہ دے رہا ہے ایسا جمعہ پڑھا رہا ہے جو ایک بہت ہی طاقتور بر اعظم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صوتی لحاظ سے بھی پہنچ رہا ہے اور تصویری لحاظ سے بھی پہنچ رہا ہے. La vision du calife de mener la communauté vers de nouveaux sommets a pris la forme d'une chaîne de télévision qui allait lier la communauté à leur leader bien-aimé. Au début, son sermon n'était diffusé qu'en Europe. Mais à partir du 21 août 1992, son sermon a été transmis sur les quatre continents. Grâce aux bénédictions de ce nouveau support, les distances avaient disparu et la communauté s'est réunie sous la main du calife à la conférence annuelle en 1993. آج جو واقعہ آپ دیکھنے والے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی کسی آنکھ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ بیک وقت
دنیا کے تمام بڑے آدموں سے بکثرت ممالک اور قومیں مختلف زبانوں میں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں اور وہ شخص حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا اتنا غلام ہو. آج میں آپ سے عہد بیعت لیتا ہوں. ہاتھ بڑھائیے. اشہدو اللہ الہ دیکھ الحمدللہ کہ آج وہ جمعہ کا دن آیا جس کی بہت دیر سے دل میں تمنا تھی اور ایک مدت سے انتظار تھا کہ آج خدا کے فضل کے ساتھ انٹرنیشنل احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. وہ جو جمعہ کا خطبہ پہلے ہر جمعہ سنایا جاتا تھا وہ اگرچہ اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے تھا لیکن ایک روزمرہ کی سروس کے طور پر ابھی یہ جاری نہیں ہوئی تھی. بس الحمدللہ کہ جس جو خوشخبری میں نے موریشس کی سرزمین سے دی تھی آج انگلستان کی سرزمین سے یہ اعلان کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ آج سے باقاعدہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی روزانہ سروس کا آغاز ہو چکا ہے. Feu, le quatrième cadif, s'occupait personnellement de l'administration et du fonctionnement de la MTA. La chaîne a connu un progrès fulgurant sous sa direction. Et le 1er avril 1996, elle a commencé à transmettre 24 heures sur 24 dans le monde entier. Le calife en personne a lancé de nouvelles émissions et a participé dans de nombreuses autres, dont des conférences, des sermons, des sessions de questions et de réponses, des sessions d'études du Saint-Coran et d'homéopathie. Il aimait les enfants et s'asseyait avec eux et leur racontait des histoires tout en leur enseignant d'importantes leçons de la vie. Donc, il y a pas mal de souvenirs qui rejaillissent en fait à travers ces différentes vidéos ces différentes mini vidéos qu'on a pu voir. Djangissa, peut-être que vous pouvez partager quelques mots. Notamment, on a mentionné beaucoup de fois l'île Maurice. Oui. Alors, peut-être que vous pouvez partager certains souvenirs que vous avez avec. Par coïncidence, Monsieur Caillou et moi-même, nous sommes d'origine mauricienne. Donc, nous avons quelque chose à voir avec cela, évidemment. C'est un lien très émotionnel que nous avons avec ces paroles du quatrième calife. En fait, je me souviens de l'époque où la MTA n'avait pas encore débuté, mais on avait déjà commencé à faire entendre son sermon du vendredi dans différents pays du monde par des appels en conférence, en fait. Et je me souviens, lorsque j'étais en France, on nous appelait et après on nous demandait de dire Assalamu alaikum et d'où on était. Et on entendait quelqu'un dire Assalamu alaikum, j'appelle, d'Allemagne. Et puis un autre qui dirait Assalamu alaikum, j'appelle de l'île Maurice. Et nous, on était en France, on disait Assalamu alaikum, on appelle de France. Et après, nous écoutions tous le calife par téléphone. Mais l'idée, en fait, était née un petit peu à l'île Maurice aussi, en même temps que ça se formulait dans l'esprit du quatrième calife. Et lorsqu'ils ont fait la proposition au calife, que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas donc un système de faire entendre la voix partout dans le monde? Le calife, alors, de dire que, écoutez, nous allons faire un grand saut. On va sortir du monde des papiers et des cassettes audio, etc. Et nous allons monter sur les satellites. Nous allons créer une chaîne de télévision satellisée. Et là, c'était vraiment la première fois dans l'islam qu'on a vu une telle chose. Et cela devait revenir à l'imam Mahdi alayhi salam. Parce qu'il y a des prophéties, par exemple, même notamment chez les chiites, dans le livre très connu, l'ouvrage de l'imam Jafar al-Sadiq, qui est l'un des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Bihar al-Anwar, dans le volume 52, vous allez voir qu'il a fait une prophétie. Il a dit que lorsque viendra le Qa'im, c'est-à-dire l'imam Mahdi alayhi wa sallam, dans tous les coins du monde, tout le monde entendra sa voix. Dans tous les coins du monde, il a utilisé ses paroles. Et c'est vraiment, c'est intense quand on voit que sur la MTA, c'est exactement le message qui est donné.
la révélation que qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait faite à l'imam Hadi alayhi salam, je propagerai ton message jusqu'au coin de la terre. Et vraiment, lorsque MTA a commencé à émettre, ça a commencé à émettre sur une grosse partie du globe terrestre, mais très bientôt, on a vu que c'était le monde entier qui était couvert, y compris les petites îles comme... on a dû faire, faire des plans très particuliers, spéciaux, pour les îles comme l'île Maurice, qui était un peu éloignée donc, d'un continent quelconque. Mais encore pire, c'était les îles Fidji. Parce que là, c'est au beau milieu de l'océan Pacifique. Ils ne sont pas à côté d'aucun continent. Et donc, ils ne sont pas balayés par aucun satellite. Et donc, il a fallu qu'on trouve des moyens pour les atteindre. Mais maintenant, toutes ces îles sont aussi couvertes par les émissions qui sont en clair. Hein. Donc, rien n'est, comment dire... Non, je veux dire, ce n'est pas en crypté. D'accord. Oui, c'est en clair. Donc, tout le monde peut regarder gratuitement. Mmh. On n'a pas besoin de s'abonner à MTA. On peut regarder si on a l'antenne. D'ailleurs, je crois que c'est le cinquième calife qui disait récemment dans un de ses discours ou d'une présentation sur la MTA, il disait que justement, la MTA est une des chaînes qui n'a pas besoin de faire de publicité pour fonctionner. Oui. Il n'y a pas besoin de faire, comme vous dites, si on reprend votre analyse sur la partie cryptée ou pas, c'est une chaîne qui est ouverte à tous. Mais la chose que je voulais rajouter ici, c'est que, comme je l'ai dit, c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Mais en fait, nous ne croyons pas dans les coïncidences, c'est Dieu qui fait tout, que la première communauté qui a eu la chance au sein de l'islam de faire entendre la voix de l'islam, avant même toutes ces nations riches en dollars pétroliers, c'est la jama'at de l'imam al-Mahdi alayhi salam qui a pu faire entendre le message de l'islam par cette voix satellisée. Et c'est ainsi que sa voix est entendue dans tous les coins du monde, par tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'accomplissement d'une prophétie extraordinaire. Parce que qui pourrait dire, un homme qui est né dans un village, on l'a déjà dit dans nos émissions, de Qadian, qui n'apparaît même pas sur la carte de l'Inde, même aujourd'hui, il faut vraiment le chercher, Qadian, pour trouver, qui dirait que non seulement mon message sera accepté ici, le message sera accepté dans l'Inde, mais mon message sera accepté dans le monde entier. Qui peut faire une prophétie pareille, hein? C'est une prophétie absolument folle, qui a très peu de chances de s'accomplir. Surtout quand quand on vit dans un village où il n'y a même pas la locomotive, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Mais il était en train de dire ça. Et il disait que ça, ce sont là des signes de ma véracité. Si les choses que je dis ne s'accomplissent pas, selon les conditions que Dieu a posées, eh bien, je ne suis pas de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins, nous sommes sur la MTA aujourd'hui. Oui. Nous sommes en train de diffuser ce message ici, de cette plateforme. C'est vrai que le califat du quatrième calife a apporté énormément de bénédictions et tous les califats apportaient les bénédictions. Ce n'est pas mon propos hein, d'introduire une concurrence quelconque, mais puisqu'on l'a vu, peut-être que moi je l'ai vu en étant jeune, donc j'ai plus ce ressenti-là, cette approche-là. C'est vrai qu'on a vu l'accomplissement de la prophétie avec Zia ul-Haq, celle dont on était en train de parler lors de notre précédente émission. On a vu l'accomplissement de la prophétie avec le fait que le message serait propagé aux quatre coins de la terre. Donc on voit en fait que vraiment, il y a eu un certain nombre d'accomplissements et qui ont été des accomplissements sur une grande échelle et qui ont été très largement diffusés. Pour la prophétie de Zia ul-Haq, par exemple, qui a été diffusée, je crois, à travers la MTA, ça a été diffusé, c'est ce sermon du calife aussi, je ne sais pas. Ça a été diffusé par la suite, évidemment, parce que la MTA n'a commencé qu'après. Oui, qu'après, oui. D'accord. Kayoum Sab, peut-être que vous voulez. Donc, comme l'a si bien souligné Djangé Sab, c'est l'accomplissement de cette grande prophétie du Messie premier, alayhi salam, de cette révélation plutôt qu'il avait reçue de la part de Dieu, que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Et nous l'avons vu, comme l'a si bien dit Djangé Sab, comment ce message a atteint les îles aussi éloignées que l'île Maurice. Je me souviens que là-bas, au tout début, on devait construire des antennes paraboliques qui... presque 4 mètres. 4 mètres, 4 mètres qui étaient très difficiles à bouger. Et en plus, c'était très difficile de l'atteindre parce que le satellite se trouvait presque sur l'horizon. Et il y avait les cyclones qu'on devait faire descendre, les antennes qui pesaient très lourd, qui faisaient 4 mètres et qui étaient blindées. Ce n'était pas avec des filets, mais c'était complètement blindé avec du fer.
Et donc c'était très difficile, mais petit à petit l'AMTA a progressé. Et une des choses, l'AMTA a commencé avec des volontaires, comme s'il faut souligner. Comme on sait, pour faire tourner une chaîne de télé, ça coûte beaucoup d'argent. C'est une industrie c'est une industrie qui coûte très cher. Mais au tout début, l'AMTA a commencé comme ça. Personne n'était formé. Ils se sont tous formés sur le tas. Sur le tas. Les caméramens, tous se sont formés. Avec les caméras qui tremblaient, qui partaient dans tous les hommes. Les pots de fleurs qui bougeaient sur l'écran et tout ça. Donc tout ça s'est fait sur le tas. Mais avec les bénédictions de Dieu, s'il y avait eu pas mal d'obstacles, c'était très difficile. J'ai même cru entendre dire que le quatrième calife aurait déclaré que si j'avais su que ça aurait été aussi difficile que ça, je ne l'aurais pas fait. Donc, c'est possible. C'est possible qu'il l'aurait dit. Mais donc, en fait, c'était un miracle. C'était un miracle, oui. Les gens qui venaient vérifier d'ailleurs, ils ne comprenaient pas comment ça pouvait fonctionner. Oui. Parce que selon eux, ça devrait prendre des millions, quoi. Mais puisque tout était fait par des volontaires. Oui. Et qui donnait aussi, qui se donnait à fond. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il faut travailler saluer le travail de ces volontaires qui justement font une forme de dédication de leur vie aussi. Si elle n'est pas totale, elle est partielle ou elle est très partielle, mais peu importe. En fait, on voit qu'en fait aujourd'hui, la MTA, c'est une grande famille qui travaille 24 heures sur 24. Qui se dévoue corps et âme. Aujourd'hui, cette émission n'aurait pas été possible aussi sans le travail de ces personnes qui sont derrière les écrans et qu'il ne faut pas oublier en fait dans nos prières et surtout pas oublier le travail qu'ils ont fait. Et c'est vrai que ce travail a été fait depuis le début. Et toute personne après qui est mondaine, on va dire ça comme ça, va nécessairement se poser des questions financières, c'est-à-dire comment vous pouvez financer un aussi grand projet. Tout ça pour dire que ce projet, en fait, à grande échelle, coûtait de l'argent et que malgré ça, il y a eu des volontaires, il y en a toujours aujourd'hui et de plus en plus, en fait, et c'est ce travail-là que je voulais particulièrement saluer. Et oui, il y a toutes ces émissions. Au tout début, il y avait le sermon qui était en direct. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres émissions qui étaient en direct. On avait une heure par semaine. Une heure par semaine, seulement pour le vendredi, donc pour le sermon. Et puis ça c'est passé 24 heures. Il y a eu des émissions en langue ourdou, en langue française, en langue arabe. Et il y a quelque chose qui est très intéressant qui est avec le quatrième calife. Et c'est lors d'une de ces dars, au cours du ramadan, le quatrième calife avait cité cet incident. Il avait dit que lorsque, au tout début acadien, lorsqu'on avait placé les premiers haut-parleurs et que le musulman Maoud a utilisé les haut-parleurs pour la première fois, auparavant, il n'y avait même pas d'haut-parleurs, il devait parler à voix haute. Il a dit que quand on a utilisé les haut-parleurs la première fois, le musulman Maoud a fait une prophétie. Et il était là-bas, le quatrième calife, il était tout petit, il n'avait que 10-15 ans peut-être. Le musulman Maoud, Hadrat musulman Maoud, radiallahu anhu, le deuxième calife, il avait déclaré « Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser les haut-parleurs, mais un de ces jours, je vais m'asseoir, le calife va s'asseoir acadien. » Et son message sera transmis aux quatre coins du monde. Et ceux qui sont aux quatre coins du monde vont entendre le calife va les entendre. Et le quatrième calife, il a dit, qui savait, moi qui étais là-bas, qui étais assis, qui étais tout enfant, que cette prophétie allait se réaliser au cours de mon califat. Et nous l'avons vu, que quand le calife part à Kadian, ou quand il y a un programme ici en direct, on a aussi des directs de Kadian, de Rabwa, ou d'ailleurs. Donc ça se fait maintenant, on est en duplex et on voit comment cette prophétie encore s'est réalisée. C'est vrai qu'en plus ces duplex, il y a le duplex avec Kadian, il y a le duplex avec le Bangladesh, il y a le duplex avec plein de pays et c'est vrai que ce message en fait prend une ampleur, mais ça on le verra, je pense les questions de duplex et vraiment l'évolution finale de la MTA actuelle, on va dire, où il y a vraiment eu ces déclinaisons en fait d'émissions, etc. On le verra quand on abordera justement la biographie de notre représentant actuel, le calife actuel Hazrat Mirza Masroor Ahmed. Pour rester sur Hazrat Mirza Tahir Ahmed et justement le travail qu'il a accompli dans le cadre justement de la MTA toujours, on s'est très tôt rendu compte que bon, il y avait cette question de faire passer de présenter les sermons, de permettre en fait d'avoir une connexion entre les Ahmadis. Et justement, la MTA est également une réponse intéressante à ceux du Pakistan qui souhaitaient briser cette relation entre le calife
Et les personnes qui et les adeptes de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est comme désormais, même depuis Londres, ils pouvaient prononcer des sermons et les personnes qui étaient au Pakistan pouvaient les voir. Ensuite, on s'est rendu compte que la MTA pouvait servir à plein d'autres choses également. Parce que le message de l'islam, c'est les sermons du vendredi, bien entendu, mais c'est également répondre aux attentes de ceux qui cherchent l'imam Mahdi. Et propager son message aux quatre coins de la terre ne pourrait se faire que si on répond justement aux différentes personnes qui se posent des questions et qui demandent à connaître le message. Mmh. Et peut-être qu'on peut parler des questions et répondre. Ben oui. En fait, tout d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que c'est anodin, mais c'est que le nom même de MTA signifie Muslim Television Ahmadiyya, donc la télévision musulmane Ahmadiyya. Cela reprend les mêmes lettres du nom du calife, Mirza Tahir Ahmad, MTA. Et donc c'était une proposition que la communauté en Angleterre avait faite pour commémorer un petit peu le fait que c'était ce calife-ci qui a lancé tout ce processus, qui a abouti à la chaîne. Donc ils avaient voulu qu'on mette le nom Mirza Tahir Ahmad même, mais il a refusé par humilité. Et alors, ils ont trouvé quelque chose avec les mêmes lettres, mais un nom différent. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que le calife était, depuis le premier jour, il était engagé à tous les niveaux dans MTA. Il voulait, à lui seul, vraiment, c'était presque un one-man show. Comme il se plaignait toujours du fait que la communauté n'avait pas encore compris ce qu'il voulait d'elle. Parce qu'on n'était pas habitués encore, nous qui étions encore à cette époque où on utilisait l'encre et le papier, etc. Et tout à coup, il veut qu'on produise des émissions, mais nous n'étions pas sur le même niveau de compréhension que lui. On ne voyait pas l'avenir comme lui le voyait. Et il s'impatientait, il voulait que l'Indonésie comprenne et commence à préparer des émissions en indonésien. Et que l'Allemagne fasse la même chose, que la France fasse la même chose, l'île Maurice, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, etc., etc. Mais en attendant, il a dit, écoutez, on a tout ce temps, on est en train de payer pour cela avec les fonds que nous recueillons de la communauté, parce que la communauté a complètement financé cette télévision. C'est venu de la poche des Ahmadis riches et pauvres. Hein. Donc c'est comme ça qu'on a financé. Donc il ne voulait pas que le temps qu'on avait, que ça soit gaspillé. Alors tout d'abord, il a mis sur place différents organes par rapport aux émissions, pour répondre à toutes ces choses, ces besoins qu'avait la communauté d'abord, mais aussi qu'avait le monde de connaître, comme vous avez bien dit, le message de l'imam Mahdi alayhi salam. Pour répondre aux besoins de la communauté, c'était la khutbah al-jumrah. C'était vraiment le serment du vendredi, là où il donnait ses directives à la communauté. Pour faire connaître la théologie de l'imam Mahdi alayhi salam, quels sont les grands services qu'il a rendus au Coran, au Hadith, etc., aux croyances dans l'islam. Là, c'était les Dars al-Qur'an. C'était les leçons du Saint-Coran qu'il faisait durant le mois du Ramadan. Donc là, c'était vraiment en grand détail, avec beaucoup de références, etc. Et donc ça répondait à ce besoin-là. Pour faire connaître les valeurs maintenant de l'Ahmadiyya, c'était ses classes avec les enfants. Là, on parlait vraiment de la valeur et comment cela se comprenait dans la vie réelle, quoi. Comment ça se traduisait dans la vie réelle. Et puis, il y avait aussi le message même, c'était la prêche maintenant, c'est la prédication du message de l'imam Mahdi, que le Mahdi est là, et le pourquoi de notre croyance en lui, pourquoi nous croyons que c'est lui et pas un autre. Là, c'était les sessions de questions-réponses. Donc les gens venaient lui poser justement des questions à ce sujet-là, et il y répondait. Toutes ces émissions étaient sur MTA. Et dans toutes ces émissions, il y avait Mirza Tahir Ahmad. Il était là, constamment là. C'est, comme on dit en anglais, ubiquitous. Donc, il était tout le temps là, dans toutes les émissions. Il se donnait à fond. Et il ne nous parlait jamais de quand il avait des douleurs corporelles, quand il était malade, quand il avait des faiblesses. Il ne laissait rien venir sur son chemin. Il était tout le temps là, qu'il soit malade ou qu'il soit sain, en bonne santé. Donc, il était tout le temps là. Mais il avait cette passion de remplir ce temps. Il fallait absolument qu'on le remplisse. Et il disait au monde, mais aidez-moi. Venez vous aussi avec vos émissions, et on a besoin de ça dans d'autres langues. En attendant, il a dit, écoutez, on ne peut pas attendre que ces gens fassent des émissions, on est en train de travailler dessus, on va faire traduire ce que je fais déjà. Et là, c'est là que, par exemple, moi, j'ai été appelé de France
pour venir faire la traduction, assurer la traduction en langue française. Et puis il y avait la langue bengali, la traduction turque, finalement, on avait l'arabe, etc., etc., donc plusieurs langues. Et c'est là que le message était diffusé, et le message du calife même, dans toutes ses émissions, mais en différentes langues. Et ça, c'était vraiment un phénomène. La MTA, c'est un phénomène. Hein? On peut le regarder, on peut le jauger sous différents angles, mais ça restera un phénomène, et ça l'est toujours. Beaucoup nous ont copiés. À présent, bon, les musulmans, ça les a réveillés. On pourra peut-être un petit peu en parler, de comment la MTA, ça a vraiment réveillé les autres musulmans au besoin de transmettre le message de l'islam. C'est là qu'ils s'y sont mis, eux aussi, avec les pétrodollars. Donc, c'est là que oui, ils ont commencé à y porter attention. C'est vrai qu'en en fait, on voit une multiplication des chaînes islamiques sur des concepts parfois un peu hasardeux. Hein, parce que franchement, aujourd'hui, la diversification des médias est telle que, certes, si dans un premier temps, il y avait un esprit derrière, il y avait quelque chose de il s'agissait de présenter la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des choses comme ça. Bon, ok, là, jusque-là, ça va. Ils réussissaient à se débrouiller plus ou moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde parfois certaines émissions, il y a moins l'essence de l'islam dedans que vraiment tout ce qui tourne autour, la superficialité, etc. Et encore une fois, au risque de se répéter, on voit que toutes ces chaînes ne fonctionne que grâce, en fait, c'est, si vous voulez, c'est le financement qui appelle le financement, l'argent qui appelle l'argent, les publicités, ils sont ultra dépendants de plein d'organismes, plein d'institutions et de gouvernements, là où l'Ahmadiyya est totalement indépendant. Il n'y a pas une pub. Si on peut considérer, alors il y a parfois des petites coupures entre deux émissions, mais on passe des hadiths, où on passe des poèmes, où on passe, il sait jamais, tout le temps est optimisé à 200%, on pourrait même dire ça comme ça. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent de la MTA sur une quelconque autre chaîne, même si c'est vrai que ça a réveillé les musulmans, bon gré mal gré du coup. Mais c'est vrai que ça a réveillé pas mal de musulmans. Ce que je voulais dire à propos du quatrième calife, ajouter et continuer, c'est que grâce à l'AMTA, grâce à ces sessions de questions et de réponses en langue française, bengali, en langue arabe, en langue anglaise, tout cela a prouvé l'immensité de la connaissance du quatrième calife. Il ne faut pas oublier cela. Oui. Sa connaissance, il avait une connaissance encyclopédique, il faut le dire, sur tous les sujets de la vie. Il répondait à toutes ces questions sans hésiter. Ses réponses étaient toujours directes, claires, qui pénétraient dans les cœurs. Il n'hésitait jamais à répondre à une question difficile, autant difficile soit-elle. Donc, et jusqu'à présent, il y a ces sessions de questions-réponses qui passent sur la MTA, il y a les dikamar arabes, il y a les rencontres avec les francophones, les rencontres avec les bengalis. Tout cela ne cesse de prouver cette connaissance. Il y a cette sadaqa jariya, cette aumône perpétuelle qu'il a laissée. Donc, c'est vrai qu'il est décédé en 2003, mais il continue à travailler. Et il vit encore sur la MTA, et c'est une grande bénédiction. C'est quelque chose. Il y avait d'ailleurs les paroles de certains mollahs au Pakistan qui ont été rapportés dans la presse ou quelque part, enfin sur les médias, où il y avait l'un qui a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose contre cette chaîne MTA, les Ahmadis, il faut qu'on fasse quelque chose. Et un autre qui a dit, mais avant, il y avait un seul calife dessus, on n'a rien pu faire, maintenant il y en a deux qui apparaissent sur MTA. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ces gens-là, ils sont invincibles. Hein? Et c'est vrai que lorsque le Pakistan a forcé le quatrième calife à quitter sa terre natale, on peut dire, bon, c'était le même pays autrefois lorsqu'il est né, pour ne jamais y rentrer, ils ont cru du fait, du coup, que l'Ahmadiyya, ça allait mourir d'une mort sûre. Mais en fait, c'était tout le contraire. Les califes au Pakistan qui n'avaient pas réussi à faire transmettre leur voix jusqu'à toutes les demeures au Pakistan, en arrivant ici, donc en Angleterre, le quatrième calife a lancé cette télévision qui maintenant, personne ne peut l'empêcher de descendre dans les demeures, même des mollahs du Pakistan. Donc les pires ennemis de l'Ahmadiyya, leurs enfants, leurs femmes sont en train de regarder la MTA. Et personne ne peut l'empêcher. Ça vient des satellites, donc c'est impossible d'empêcher ce message, vous voyez. Oui, donc en fait, c'est l'ironie du sort. Du sort, hein. Oui, exactement. On essaye là où on a essayé de faire taire le calife, pour reprendre une des expressions qu'on a utilisées dans nos précédentes émissions,
Et bien, c'est là que l'Ahmadiyya a retrouvé la parole, enfin elle l'a pas retrouvée d'ailleurs, elle l'a toujours eue, mais à ce moment-là, elle l'a eue de manière mondiale, parce qu'il y a eu un impact vraiment mondial du coup avec ça. Et pour en revenir à ces connaissances encyclopédiques qu'avait le quatrième calife, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, la manière dont le quatrième calife répond aux gens, quand on regarde les sessions de questions-réponses, déjà d'une part, le quatrième calife, on voit qu'il s'intéressait à tout. Il avait une connaissance astronomique, mais s'il s'intéressait vraiment, il avait une transversalité des sujets qui était incroyable et qui était saluée d'ailleurs par même certains leaders pakistanais qui saluaient ces connaissances incroyables et qui disaient que c'était un océan de connaissances. Et c'est vrai qu'il répondait à des questions philosophiques à travers une réponse argumentée et philosophique, il répondait à des questions théologiques à travers l'aspect théologique, il pouvait répondre à des questions d'astronomie, de mathématiques, on pouvait le prendre sur n'importe quel sujet, et je crois que il est vraiment compliqué aujourd'hui de dégoter, je pense, ne serait-ce qu'une session de questions-réponses qui n'a pas répondu en fait à toutes les questions qu'on peut se poser autour des religions, en tout cas, je pense que c'est très très complet. Et je crois que c'est des sessions de questions-réponses qui sont assez disponibles. Je ne sais pas si on a... En tout cas, il faut se rapprocher de nos... Il faut aussi qu'on rappelle l'ampleur, hein, l'étendue de ces émissions. Quand on parle l'Iqama à l'arabe, déjà là, vous avez plus de 400 émissions, dans lesquelles presque toutes desquelles il s'est assis personnellement. Quand on parle de la rencontre avec les francophones, il y en a plus de 200. Et là, il y en a autant chez les Bengalis, autant chez les Allemands, les Allemandophones, etc., germanophones. Donc, en fait, il a vraiment donné des centaines et des centaines et des centaines d'heures à la MTA. Et on est encore en train de le regarder comme s'il était encore parmi nous aujourd'hui. Et ouais. Ces connaissances... ces connaissances encyclopédiques, justement, sur... On va peut-être rester dans ce créneau avant de répondre aux questions de nos téléspectateurs. Ces connaissances, il ne les a pas simplement utilisées de manière, je dirais, vocale, c'est-à-dire de manière à répondre à des questions. Il les a également répertoriées par écrit pour qu'on puisse diffuser la connaissance. Ah, parce qu'il était aussi auteur. Il était aussi un brillant écrivain. Oui. Et il a écrit plusieurs ouvrages. Peut-être qu'on va s'attarder sur certains ouvrages. Je vais donner peut-être la parole à Kayoum Sab qui va nous en parler un petit peu. Mais je vais les présenter au fur et à mesure. Hein. Un des ouvrages les plus importants, c'est « Problèmes d'État moderne, les solutions de l'islam ». C'était en fait un discours qu'il avait prononcé ici à Londres, je pense, et dans lequel il a présenté quels sont le titre de l'ouvrage dit tout, « Problèmes d'État moderne ». Quels sont les problèmes de l'islam et quelles sont les solutions que présente l'islam, c'est-à-dire comment établir la paix au sein de la société, comment établir la paix au sein de la famille, comment établir la paix économique. C'est un livre complet et qu'il a basé entièrement sur les versets du Saint-Coran dans lesquels il a expliqué que l'islam n'est pas une religion d'antan, l'islam n'est pas une religion qui va contre la modernité, au contraire, l'islam est là et présente des solutions universelles. Alors effectivement, le livre s'appelle « Les problèmes des temps modernes, les solutions de l'islam ». Vous pouvez le voir là à l'écran, je vous le présente. C'est un livre qui répond, comme vous venez de le souligner, à l'ensemble des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Même si c'est un livre qui a été écrit, je pense, il y a quelques années maintenant, il répond à toutes les problématiques modernes. Ça veut dire démocratie ou tyrannie, quel est le meilleur régime, qu'est-ce que préconise l'islam, quel est le système économique que préconise l'islam. C'est vraiment un livre complet et c'est vrai que ça reflète pas mal la personnalité aussi de ce calife qui était justement quelqu'un de très transversal, qui aimait bien toucher à tous les sujets et toujours les rapporter à la véracité de l'islam, est toujours démontré, et c'est très bien argumenté, en quoi l'islam a été une religion et est une religion qui affronte la modernité et qui a affronté également une forme de modernité par le passé, ou du moins qui pour les gens du passé était une forme de... Que ce soit par le biais de livres ou par l'entremise des émissions, c'est que le monde, pour la première fois, surtout par les émissions, mais il faut dire que beaucoup de livres sont en fait des continuations d'émissions. Donc il commence à faire des émissions et après il en écrit un livre.
sur le même thème. Donc, par exemple, le livre que vous avez présenté, c'était un discours qui a été fait en 89, c'était à l'occasion du centenaire de la Jamaat. Et c'est devenu un livre après. Le monde a vu pour la première fois comment fonctionne un vrai calife. Parce qu'il y a pas mal qui veulent être calife. Il y a beaucoup d'isnogoud hein, dans le monde de l'islam qui veulent être calife à la place du calife. Mais en fait, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Et à quel point un calife doit s'investir dans la communauté et s'investir dans l'humanité, dans le monde entier, en fait. Hein, combien de temps il doit sacrifier et comment sont ses interactions avec les gens. Donc en fait, pour la première fois, on a pu voir un calife in action, comme on dit en anglais. Donc on l'a vu vraiment sur le terrain, en train d'interagir avec tout le monde, à tous les niveaux. Jazakumullah pour vos réponses. Je pense qu'on clôture sur ces dernières paroles, en fait, la biographie du quatrième calife, donc, qui est décédé en 2003. Et on reprendra donc dans le cadre de nos prochaines discussions le calife, le représentant actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Et là aussi, on a beaucoup de choses à dire sur sa personne, sur ce qu'il a fait et ce qu'il projette de faire, ou du moins ce qui est déjà sur les rails, comme on dit. Et en tout cas, il y a tellement de choses à dire, encore une fois, sur le quatrième calife. On a toujours l'impression de rater des événements, des éléments qui nous paraissent intéressants. C'est un calife qui a été tellement riche et tellement proche du fait de la télé qu'on a envie de tout dire, mais le format de l'émission ne nous le permet pas, du moins pas encore. Et on reviendra bien entendu sur toutes ces questions au fur et à mesure de nos prochaines émissions. Pour l'heure, étant donné que dans la précédente émission, je ne sais pas si mes deux invités s'en souviennent, mais on n'avait pas pris beaucoup de questions, on va plutôt se consacrer, on va répondre à quelques questions que se posent nos téléspectateurs, et je vais m'adresser en premier lieu à Kayoum Saab, puisqu'il y a une question d'une certaine personne qui s'appelle Nina d'Algérie, qui a posé une question sur la mise à mort d'un apostat, c'est-à-dire d'une personne qui a renié l'islam selon le Coran. Est-ce que c'est possible? Quel est le point de vue de la Jumat Ahmadiyya? Quel est le point de vue de l'islam Ahmadiyya à ce propos? En fait, si on étudie le Saint-Coran depuis le début jusqu'à la fin, on va voir que le Saint-Coran n'a jamais prescrit la mort d'un apostat, n'a jamais prescrit la mort de quelqu'un qui a renié l'islam. Et il y a le fameux verset du Saint-Coran qui dit « La ikraha fi din », qui n'a point de contrainte en matière de religion. Il y a aussi un autre verset qui dit « Lakum dinakum waliyadin »« À vous votre religion et à moi la mienne ». Donc il n'y a pas vraiment de verset, il n'y a pas du tout de verset qui prescrit la mort d'un apostat. Au contraire, il y a plusieurs versets dans lesquels on trouve mention des gens qui ont accepté et qui ensuite ont mécru, qui ont abandonné la foi. Mais on voit encore que le Coran ne prescrit pas de châtiment. Il y a par exemple dans la sourate Al-Imran, dans le chapitre 3 du Saint-Coran, dans les versets 87 à 89, il est dit que, je vais citer les versets en langue française, vous allez voir que, il est dit que « Comment Allah guidera-t-il un peuple devenu mécréant après avoir cru et qui a témoigné que le messager est véridique et à qui des preuves éclatantes étaient venues ?» Allah ne guide pas les gens qui sont injustes. Ensuite, il est dit que « Ils auront en guise de récompense la malédiction de Dieu et des anges et des hommes. » On ne voit pas ici le châtiment qui a été prescrit pour ces gens qui ont cru auparavant, qui ont été guidés, qui ont vu la direction, mais qui ont rejeté la foi. Mais ensuite, ce verset dit « Illa allazina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim » Hormis, ces gens-là seront châtiés, leur châtiment ne sera pas allégé, c'est dans l'au-delà, hein, le châtiment. Hormis ceux, à l'exception de ceux qui par la suite se repentiront de leur mécréance et qui s'amenderont et assurément là, les très pardonnants miséricordieux. Donc, on ne voit pas de châtiment. Et si ces gens devaient être châtiés immédiatement, mis à mort immédiatement après avoir renié l'islam, ben, est-ce qu'ils auront le temps de se repentir? Donc on voit donc qu'il y a tous ces versets qui prouvent qu'il n'y a pas vraiment de châtiment, de punition à mort pour ceux qui renient l'islam. Mais c'est vrai que, alors sur toutes ces questions de châtiment, d'apostasie, de lapidation, etc., c'est vrai qu'il faut faire un appel aux musulmans à quand ils répondent aux questions, de bien vraiment se référencer au Saint-Coran, qui parfois ne contient rien à ce propos. Et ce sont vraiment des croyances populaires ou des mythes populaires. Et on laisse faire ça, alors qu'il y a un argument qui est clair, qui est celui du fait que ça n'existe pas. Ça n'est même pas mentionné dans le Coran. Donc en fait, on laisse volontairement
traîner en fait des croyances populaires qui viennent de je ne sais pas où, je ne sais pas si on peut retracer les origines de ces croyances populaires, mais qui en fait entachent l'image de l'islam alors qu'il n'y a même pas lieu d'être. On pourrait trouver, si on faisait des éléments, des analyses comparatives, on pourrait trouver, c'est pas l'objet, mais on pourrait trouver mille fois pire dans un livre révélé avant. Vous voyez, c'est là l'importance, de croire dans l'imam Mahdi, parce ça. Que l'imam Mahdi va vous renvoyer au Coran. Si les musulmans s'ils continuent à rejeter cet imam al-Mahdi, ils vont continuer à trouver leurs exégèses ailleurs que dans le Coran. Donc c'est d'une importance vitale. Mm. Il faut que le monde le comprenne. C'est que si l'islam aujourd'hui, tel qu'il est vécu dans les différents pays du monde, s'il va changer, ça ne sera qu'un changement de retour, en fait, vers le Coran, vers les sources. C'est parce qu'ils se sont départis des sources qui sont dans la mélasse aujourd'hui. Et il faut qu'ils le comprennent. Et donc, voilà quelque chose que je voulais souligner ici. Jazakumullah, je vais passer, justement, je vais rester sur vous pour la deuxième question qui nous a été transmise par Ahmed Hajj. Alors, je tiens à le souligner parce que c'est en objet de la question qui nous a été adressée. Il souhaite obtenir une réponse au public. Alors, peut-être il serait important de le dire, c'est que la communauté musulmane Ahmadiyya, quand elle répond, je pense qu'elle répond au public tout le temps. Hein. Il n'y a pas besoin de le spécifiquement le demander. Voilà, c'est rarement à huis clos. Donc, je pense que c'est bien de le préciser pour que les personnes le sachent. C'est que on ne se cache pas dans des ténèbres et on ne se réunit pas dans des caves pour pouvoir discuter de certains sujets. On est totalement transparent et tout ce qu'on a à le dire, je pense que c'est en face de tout le monde et en ligne sur des sites internet ou du moins disponible sur les sources officielles. Déjà. Alors la question, mais pourquoi l'Ahmadiyya ne parle que du retour du Mahdi et que personne ne conteste son arrivée ni son retour? Pourquoi est-ce que nous, dans l'Ahmadiyya, nous parlons toujours du Mahdi? Eh bien, comme je viens de le dire, l'arrivée du Mahdi est d'une importance capitale. Parce que tant que l'imam Mahdi ne vient pas et que les gens n'acceptent pas son message de retourner à la source même, qui est le Coran et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans resteront dans leur division. Et les divisions causent toutes sortes de problèmes pour les musulmans, parce que les divisions sous-entendent des jalousies. Cela sous-entend la gourmandise, la convoitise, ça sous-entend la haine. Quand il y a division, il y a tout ça. Et bien, tant que tout ce beau monde ne viendra pas se réunir sur le drapeau de l'imam Mahdi alayhi salam, ils continueront dans toutes ces choses. Et de là, naîtront et resteront les problèmes des musulmans, tels que la famine, l'analphabétisme et toutes sortes de souffrances qu'ils connaissent dans le monde, notamment la corruption aussi qui les empêche de fleurir et qui les empêche de progresser dans le monde comme toutes les autres nations développées. Donc cela est d'une importance capitale et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un, et ça on l'a déjà dit dans une précédente émission, lorsque quelqu'un lui a demandé est-ce qu'il y aura du mal à l'avenir, il avait dit oui, en effet, il y en aura un. Et si vous allez voir des gens qui sont de notre nation, qui parlent notre langue, invitez les gens au feu, et au feu, il faut comprendre par là, la guerre. Parce que dans le Coran, Allah dit que à chaque fois que les gens essayent d'allumer le feu de la guerre, Allah l'éteint. Donc le feu se rapporte à la guerre. Et bien quand vous voyez des imams aujourd'hui en train d'appeler les gens pour aller se battre contre d'autres musulmans, et bien il a dit abandonnez toutes ces sectes totalement, et agrippez-vous à la Jamaat et son imam. Ben, la Jamaat et son imam, c'est la Jamaat Ahmadiyya et l'imam al-Mahdi. Et donc, s'ils vont le faire, ils vont connaître l'union, parce que nous qui sommes au sein de la Jamaat Ahmadiyya, nous sommes venus de tous les groupes de l'islam, des salafis, des soufis, des chiites, de tous les sunnites sous le ciel. Nous sommes tous là, et nous sommes tous unis, et nous avons abandonné notre haine, nous avons abandonné notre convoitise, nous avons abandonné notre manque de sympathie, si vous voulez, les uns pour les autres. Et c'est comme ça que nous combattons la pauvreté dans notre jamaat et comme nous combattons aussi la faim et tout ce qui s'ensuit. Donc si nous parlons de l'imam al-Mahdi, excusez-nous,
Parce que c'est la chose la plus importante pour que soient résolus tous ces autres malheurs et tous ces autres problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Occupez-vous d'abord des gens qui ont faim » avant de parler de l'imam Mahdi. Il a dit « Si vous entendez que l'imam Mahdi est arrivé, allez à lui, même à genoux dans la neige, pour faire la bay'a à ses mains. » C'est tellement important. Il est le Khalifatullah al-Mahdi. C'est le calife d'Allah le Mahdi. C'est très important. Parce que là, tout sera résolu, en fait. Mais c'est ça que les musulmans ne comprennent pas. Ils essaient de mettre la charrue devant le bœuf, en fait. Ils essaient d'abord de résoudre leurs problèmes qui ne pourront être résolus que par l'imam al-Mahdi alayhi salam, et se disent « Après, on passera à l'imam al-Mahdi. » Mais c'est qu'ils n'ont vraiment pas compris, vous voyez. Merci beaucoup, Djangisab, pour votre réponse. On va poursuivre sur ces questions. Et là, une question qui nous vient de Côte d'Ivoire. Et là, en sujet, c'est pas réponse au public. Et donc, c'est la prière en congrégation. Et on nous demande, en fait, et là, je m'adresse à Kyumsab, est-il permis de faire la prière en congrégation avec des musulmans non ahmadis? Et sinon, pourquoi? En fait, pour répondre directement, les musulmans ahmadis n'ont pas le droit de prier derrière les autres musulmans. Ça, c'est pour répondre directement. Pourquoi cela? Parce que, en fait, c'était au tout début de l'histoire de la communauté ahmadiyya, c'était les mollahs en premier qui avaient interdit les musulmans ahmadis de prier derrière eux. C'était eux qui avaient fait ces campagnes, qui avaient déclaré les ahmadis comme étant non-musulmans, et qui avaient empêché les autres de prier derrière nous, et qui avaient empêché les ahmadis eux-mêmes de prier dans leur mosquée. Ainsi, et c'est là que le Messie premier, Hadat Mizarullah Muhammad alayhi salam, il a empêché les membres de sa communauté de prier derrière les autres musulmans. Ensuite, pourquoi cela? Tout simplement parce que nous acceptons, comme nous venons de le souligner, l'imam al-Mahdi, l'imam qui a été envoyé par Dieu, délégué par Dieu. Et comment donc prier derrière quelqu'un qui est en train de rejeter celui qui a été envoyé par Dieu, qui est en train de le traiter de tous les noms? Donc, si un imam temporaire qui a été choisi sur ce monde a rejeté l'imam al-Mahdi, nous ne pouvons pas prier derrière lui. Comment se fait-il? Si par exemple, on peut renvoyer l'ascenseur si vous voulez, ou renverser la vapeur. C'est si par exemple l'imam al-Mahdi est venu, les autres musulmans, un autre musulman l'a accepté, et nous le traitons de tous les noms, est-ce qu'ils vont prier derrière nous? Certainement non. Oui. Donc c'est ça, bref, pourquoi les raisons pour lesquelles on ne prie pas derrière les autres musulmans. Et je pense que ça répond aussi à une question qui est assez souvent posée sur Sazafulahansa. Vous savez pourquoi il n'a pas lu la prière derrière le fondateur du Pakistan lors de son décès. Je pense que les raisons qui valent, les raisons que vous avez données pour l'une de ces catégories valent pour l'autre. C'est bien une exception. Oui. Et l'exception était donnée étrangement par le quatrième calife lui-même, oui. Parce qu'on parle de lui aujourd'hui. Bien sûr. Il a dit que si un imam fait une déclaration publique dans sa mosquée que je suis en train d'étudier les revendications de Mizarullah Muhammad en tant qu'imam Mahdi pour voir s'il est vraiment l'imam Mahdi ou non, et que je vais l'étudier, disons, pour une période de 2 semaines ou 1 mois, durant toute cette période, les Ahmadis auront le droit de prier derrière lui. Parce qu'il n'est pas en train de rejeter l'imam, il est en train de l'étudier. Il n'est pas dans le déni. Mais il faut qu'il accepte de faire cette déclaration publique et qu'il dise que lorsque je me serai décidé, je vais annoncer ma décision publiquement. Alors le calife a dit, pour les Ahmadis, dans une telle situation, on gagne à tous les coups. Parce qu'il faut qu'on sache, est-ce qu'on peut prier derrière lui ou non. Tant qu'il étudie les revendications de l'imam Mahdi al-Islam et qu'il a fait la déclaration publique, on peut prier derrière lui sans problème. S'il s'avère être de ceux qui vont le rejeter par la suite, il va faire la déclaration, l'affaire se termine pour nous, on ne prie plus derrière lui. Donc tout est clair. Si par contre il dit que, en effet, je crois qu'il est vrai, on peut continuer à prier derrière lui, et aussi, du coup, des gens de sa mosquée vont peut-être aussi le suivre. Donc ça sera avantageux pour ces gens-là aussi. Donc c'est bien que lorsqu'un Ahmadi va dans un endroit où il n'y a pas de mosquée Ahmadi, par exemple, qu'il aille voir, rencontrer l'imam de cet endroit-là, et qu'il lui explique que voilà l'imam Mahdi, là voilà des livres qui contiennent ces revendications. Est-ce que vous serez prêt à faire une telle déclaration et à étudier ces revendications? S'il dit non, eh ben, l'affaire se termine là. Mm-hmm. Et s'il dit oui et fait la déclaration, là, l'affaire va s'en suivre, comme je l'ai dit. Et ça, je l'ai entendu du quatrième calife, en fait. Ok, Jazakallah pour cette précision. Et Jazakallah à tous les deux, en fait, pour vos réponses aux questions. Notre émission s'achève ici. On a discuté aujourd'hui du quatrième calife. On a conclu sa
fiche biographique, si on peut dire ça comme ça. On discutera lors de nos prochaines émissions du cinquième calife, qui est le représentant actuel de notre communauté, comme on l'a indiqué lors de notre émission, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmed. Donc d'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصوره